Bonjour, bonsoir, chers fidèles abonnés à Coup de Projecteur. Et je suis très heureux de vous avoir encore nombreux devant laptop, téléphone, iPhone, pourquoi pas devant vos écrans. Et aujourd'hui, nous sommes Coup de Projecteur, votre émission est partie à la rencontre d'un de nos consultants. Là, je cite le pasteur Onésime pour lui faire parler un peu. Qu'il fasse ses analyses par rapport à l'incompréhension ou pour ne pas dire bras de fer, polémique qui se passe entre le pasteur Walesa et l'évêque Mukuna à propos de la prophétie à pasteur Walesa pour le président de la République qui est monsieur son Excellence monsieur Antoine Félix Tshisekedi au Mekaki Kotiamakelele, dont certaines personnes comprennent qu'il y a un bien dont et ça là qui moi m'a les par rapport il y a pas propos tenus par l'évêque Mukuna et avec aussi la réaction il y a pasteur Walesa dont je ne voudrais pas faire trop de commentaires. Je laisse notre invité le pasteur Onésime de pouvoir faire ses analyses en tant que serviteur de Dieu et Kotali Sabiso, pourquoi est-ce que les deux hommes de Dieu ça là loco là fighting Kobunda pendant que Zali na terrain où Zali Yamalam ou Yokakoyo canapé Kosola en toute tranquillité. Suivez, on se retrouve juste après. C'est un jeune frère. Il y a bandit à la minute. Il y a un système où il peut m'accompagner bien bien. Mais à Zos, ça ne se commence à y bien fort. Pasteur Mukuna. Le pasteur Mukuna. Il m'appelle. Alors, mes jeunes frères, wana. Il me dit, jeune frère. Wana, bah, ebi Singapour, na landa la télévision. Wana, c'est un prophète. Parfois, les gens n'ont pas une prophétie. Ndi kurebiso. Les jeunes frères, azala kina namusa na zambete. Passez beaucoup na bazo yoka. Pasteur, beaucoup na que vous entendez. C'est un serviteur de Dieu. Asa mosali en Zambé. Je les connais très bien. En 1990. En 1990. Na Bethel. À Bethel. Wana tozana maman Michel. J'étais avec maman Michel. Ba benga ki ateya. On l'avait appelé pour prêcher. Azo teya. Il prêchait. Jour où yonga na zwa ki décision. Le jour que je pris la décision. Ange ya ki na butu komo ni sanga. L'ange était venu la nuit chez moi. Bona pesa biloko. Pour que je donne ce que j'avais. Ezana matea pasteur Mukuna. C'était à partir de la prédication de pasteur Mukuna. Azaki mutuna nzambe. Était un homme de Dieu. Pasteur Azaki mutuna nzambe. Était un homme de Dieu. Azo te yozo ka michopo ezeninga. Il prêchait, tu sens les entrailles bouger. Na linga ki makasi. Je l'aimais beaucoup. Je me rappelle très bien que na yambaka yawa. Namunda. Je m'étais levé avec le tam-tam. Dieu appelle les gens de diverses manières. David. Dieu avait appelé David. Avec sa guitare. Banjo. Avec les banjos. Bandego. Bien aimé. Ce que vous entendez là. Où y'a mbunda na bandoko beta? Le tam-tam que j'ai joué. Et bien, mandengeni. Comment ça, ça 3 minutes. Je donne 3 minutes. Dans 3 minutes. Je vous explique dans 3 minutes. Tant que ton bandoko qu'une église. Lorsqu'on partait à l'église. Na bandoko mon passe. Je souffrais. Tant qu'on va jouer ça la louange. Lorsqu'on louait le Seigneur. Moi je souffrais dans mon cœur. Dans son sapato. Je m'étais chassé. J'ai enlevé la veste. Na ebisi bato. Il disait aux gens. Est-ce que vous sentez ce que moi je sens? On me pose la question, mais qu'est-ce que tu sens? Je sens comme je vais pleurer. Bande konanga. Mes frères. Nazaki nanga musicien. Je n'étais pas musicien. Je ne sais même pas respecter les notes. Mais tant qu'on a joué Munda. Lorsque je prie cet temps, la répétition. Je ne répétais même pas.
Nabandi ko beta. J'ai joué au tam-tam. Nazo salaba im. Je faisais les hymnes. Im ezaba ofe. Ce sont les ofe. Onzamba sala. Les ofe de l'Éternel. Naba David. Et avec David. Si nazo raconté. J'ai raconté aux gens. Cette histoire. Comme une histoire. Nazo tambola na munda. J'ai marché avec les tam-tam. Amen. Amen. C'est tout, arrête. Quand tu payes jeune frère. En 1997, Tokutana pasteur Mukuna. Je croisais le pasteur Mukuna. Je l'aime beaucoup. Je l'avais beaucoup aimé. Amen. Amen. Et puis il faut où il y a l'église. Il m'a dit tu dois venir à l'église. Il n'avait pas encore bâti. Bachaki ba bash du kolo. De bash. Nabandi ko yemba. J'ai chanté. Nazo pesa ba témoignage. Je témoignais. Nazo bonde le pona batou. Je priais pour les gens. Nasali 3 semaines. Je fais 3 semaines. Batou balingi na kendete. Les gens. Réveil. Il y avait les réveils à l'église. Les gens étaient venus. Avant que je prêche, il passait d'abord. Il parlait Kabundi Walesa. Moussoui Mungala. Celui qui a des films. Il a des films Moussoui Mungala. Quand pasteur Mungala. Kabundi Walesa. L'homme puissant. Maintenant vous allez voir. Regarde la révélation. Quand je prenais mon temps, les gens pleuraient. Les gens étaient sauvés. Ça qui réveille. Je me rappelle très bien que Nayambaka Yawa. Namunda. Les gens qui pasteur étaient un prophète. Vous avez débuté la prédication. Je vous suivais. Amen. Amen. Et puis Boyebinga. Vous me connaissez très bien. J'ai prêché, j'ai chanté. David a bimaki pe na ko yemba. David était sorti par pour la nini ko s'organiser. Pourquoi vous organisez? Bon bimbo ba ko buka et puis ba yebisinga ba s'organiser déjà. On m'a dit qu'ils sont organisés pour m'arrêter. L'organisation de toute l'église, j'ai bâti les temples pour Dieu. Vous voulez détruire les temples, pourquoi? Je vous demande. Je vous aime beaucoup. Je ne vais pas répliquer. Tel que je parle, c'est Dieu qui m'a suscité. Mouto a côté de sa vision en Zam, na kati ya David, ata Saoul a beti ba flèche vis-à-vis, et ko zoyete. Personne ne peut stopper la vision de Dieu. Même si Saoul arrive à tirer sur David vis-à-vis, ça ne peut pas l'atteindre. Moi je prie pour les présidents. Nous allons prier. Les dieux qui a établi ce président, qui les protège.
Même si on ne sait pas croire. Comme c'est notre charge. Avoir un président chrétien en Afrique est comme il passe, c'est difficile. Trouver un président chrétien. Pas un faux chrétien. Un vrai chrétien. Prions pour notre président. Levons nos mains. Prions pour notre président. Que Dieu le protège. Que Dieu le protège. Bonjour, pasteur Onésime. Bonjour, Thierry. Voilà. Aujourd'hui, encore une fois de plus, le micro et à coup de projecteur est à la porte Nayo comme consultant Nayé pour certaines questions. Okay. Et ça a information qui a défrayé chronique à niveau ya Mboka, dont il s'agit, si ce que tu as un bras de fer, tu as ne fût-ce que polémique ou incompréhension entre le pasteur évêque Mukuna et le pasteur Walesa à niveau à Kinshasa. Pour rafraîchir un peu les gens mémoire, ils allient sur la prophétie où le pasteur Walesa a bimisaki pour le chef de l'État, le nouveau. Là, je cite Félix-Antoine Tshisekedi, comme quoi qu'il pourrait éventuellement être tué dans les 2 ans qui viennent, dont certaines personnes comprennent à quitter, parce que Yemoko Walesa lobby, que les gens n'ont pas compris le message qu'il avait fait passer auprès à son excellence monsieur Félix Antoine Tshisekedi. Donc et comment qu'il l'a récupéré par évêque Mukuna oyo a mekaki ko zanaba langage oyo peut-être pour na biso banaliste na mekaki ko mekaki ko trouver yango un peu zali déplacé. Il y a un autre méca qui a poussé à prendre à nos alliés serviteurs de Dieu. Tout méca qui est bas. Moutou Oyo Azali déjà établi. Bien qu'Azali moi en aïe na Rati Alingomba. Ce qui a ça commis na ba responsabilité, quelle que soit la faute ou à quoi commettre. Est-ce que vraiment au croquis au commun à niveau à cause à la télé, que ben aïe ces jeunes frères là pendant qu'il est déjà pasteur d'une grande église comme l'église de Walesa que tout le monde connaît. Oui, en tout cas, merci Thierry pour la question. Je pense que par rapport à la situation où ils se retrouvent actuellement, par rapport à l'homme de Dieu, je pense que premièrement, et là on a cru que l'obanine que il faut que Bissot, Bassal Nanzambe, tout ça un peu fort Wana, Yako. Tika ba makambo oyo que ce qui problème mokobo ebimi surtout entre biso ba sal na nzambe to tika ranan ba makambo wana yako bimaka ba media pona ko porter ba propos soit injurieuse soit nine parce que ça ne glorifie pas Dieu eza makambo ezo pe sa nzambe lokumute pe na nyoso wana tozo teya batu mususu nine et koza même na bato esengla ki baza la sauver dans le Seigneur. Mais à partir de Makambo, Bazomona, ils ont endurci Bango. Alors je pense que tant Tozo se présentait Bongo, na miswa batu, Tozo s'entretue, na nengezo salamabo. Et je pense que Eza Malamute, il y a autre moyen au Tokoki pour ça là, pour na ko arranger certaines situations. Je pense que Eloko, Basus, Bakokae, ko ça là, que Tango, au surprendre ndeko na na likamomo peut-être choqué auto et se pelicioté oyebinda kunaye to ko pese rendez-vous aya e pa na yo poete bo solo la likambo o peut-être yo se pelina ngote mais ko ma tout de suite na media ko bana kolo ba kamdenge andenge et que batumusus ba mona o ezali ko salama je crois que ezo fingisa kombo a Yesu yango liboso conseil na ko pese ngona que toti ka ba biloko na ba media ko bundisa ba bande konsus quel que soit ma b quel que soit le kambo oya sali il faut toi ba toujours ko kutana bande ko pona ko bungisa. Mais en d'autres termes na le kambo ndenge et salami entre bangomi balé je crois que bible est claire bisonos totanga la bible bande ko ndenge bazana batanga la bible puisque ba teyaka. Alors je pense que bible est en clair bible lobby que ce qui prophétie ton message moko ebimi
Eloko liboso il faut que ça là, il faut qu'on analyse. Il faut qu'on analyse prophétie. Il faut qu'on analyse. Alors, après avoir analysé, oya malamu obombi. Oya mabe obwakisi. Donc je pense que il y a un grand des principes, il y a parole de Dieu. Donc ceux qui ezane eloko est choqué, il faut d'abord analyser le message. Ce qui message en a et où tu es pas Nzambe. Maintenant, il y a au télémeli à moi. C'est que au télémeli moutouté. Mon télémeli n'est Nzambe, où y a-t-il dit message en a. Tout le monde a clair moi-même dans Israël, tant que je suis en Égypte, dans le désert, comment est-ce qu'on conteste contre Moïse? Comment est-ce qu'on conteste contre le message en Nzambe où Moïse en a un copis? Sors dans le bango toébi que Bazaki détruit. Alors, de peur aussi de ne pas arriver là, nous devons apprendre à analyser dans le silence ma message. Et je pense que dans la sagesse, et loko, tokoki kosala, quand il y a de tels messages, qu'est-ce que nous faisons? Soki, ezala toza convaincu, néangote, la première des choses pour na biso, ba sal nanzambe, biso ba chrétien, c'est prier. Tobondela ponatina ya président de la République, kobondela ponatina naye parce que ils a message moko ebimi ponatina ya ko sunga nanzela mabondeli. Mais pasteur, comment savoir que c'est un message vrai ou c'est un message n'est pas vrai? Tant on lobi ko mana analyse comment, quels sont les éléments où il faut faire voir na batou que réellement ce message vient de Dieu ou ce message ne vient pas de Dieu. On a aussi posé question moko, ils en ont simple mais cause un peu dur pour les uns, parce que Bible peut le dire clairement que l'esprit de Dieu convainc. Alors tant au message ezobima, je crois que ceux qui ont l'esprit de Dieu, ça va leur convaincre que ce message est de Dieu et ce message n'est pas de Dieu. Ils ont Saint Esprit mutu à convaincre. Deuxièmement, on reconnaît un message de Dieu lorsqu'elle s'accomplit. Alors raison pour laquelle net n'a ne commis l'accomplissement et que ils en ont un stade autour d'un amosicole. Qu'est-ce que nous devons faire? C'est d'abord prier Dieu. Mutoakoya goebso que nous voilà aux a combattu par exemple na tel problème ou tel problème. Au qu'on rejeté vraiment au message, c'est fort au bon de la peau n'ango. Et je pense que la nation congolaise et l'okoba kokaï d'abord que ça là surtout les chrétiens, c'est de se tenir en brèche. Qu'on même à taille 2-3 jours dans ma bonne lit pour la consunga, puisque la Bible même est au banin. Que dans tous les bonnes là, il faut tout bonnes là, tout soutenir, bah au niveau sur basali, élever en dignité. Nambo kanabiso. Est-ce que combien sont ceux qui le font? Alors, raison pour laquelle je pense que avant et à qu'on s'entretuer, avant qu'on banne qu'on dénigrer. Batumususu, apprenons d'abord à passer du temps dans la prière. To bon de la nzambe, to nukelo na nzambe, par rapport à message ebimi. Je pense que nzambe baza pe fidèle, a koki pe ko révélé. Ba o bazo nukelo ne en rapport na message, on a que message wana e outi e pa ya nzambe, to outi e pa nzambe te. Pasteur, outu lo ba wa, la Bible est claire, il obi prier pour ceux qui sont élevés en dignité. Est-ce c'est ce qui donne l'accès ou le pouvoir na pasteur na évêque Mukuna a kende peut-être entre guillemets je ne sais pas ce qui est kozamabe kolobake azo kende au délai à ba limite parce que et komi ko bimaloko la ya komi porte-parole il y a Félix parce que ceux qui ba fidèles abonnés ba fidèles abonnés à coup de projecteur Pierre Congo Dialogue Bazar se souvenir. Pasteur Mukuna, évêque Mukuna, voulais-je dire, yeka ka monta bimaki beaucoup plus en avant-plan pour nous la bras de fer avec la Senko. Ce même Senko oyo ezalaki ko bunda pour ko faire face, voulais-je dire, na le pouvoir sortant pour que bameka ko tika champ libre na opposition bameka ko fonctionner normalement. C'était toujours évêque Mukuna. Yenda bima ki po bounisa Senko. Et comme il makambu ya Félix, c'est toujours lui. Mais à ce que je sache, je sais que il y a kuna pe na mboka ngo ba structure ya ba église de réveil comme ebele.
Mais oh yebi oh bah tout ming bah yebi tout yebi que les présidents et l'église de Revenne à niveau il y a RDC ils allient Kakenza le pasteur Kakenza mais au moment c'est que Kobimisa et Longi Mingi il y a évêque Mukune comme et comme Kobimaloko il y a comme porte-parole et bah chef de l'État nous sommes les Kawana est ils allient vraiment au cas qu'il y ait des mutifaloba il y ait mutazali lésé par rapport il y a prophétie il y a Walesa. Quelque part, Batoubadoromitouna, pourquoi est-ce que Zakakaye, Kakaye, Kakaye? Et puis les propos tenus, ils ont été tellement durs à l'égard de Yamoutou, ou Azobengaye, Nanou Mwananaye à Molimo, ou il faut que tu aies la fierté, Yakosepela, que Mwananaye à Molimo, à Kolipe, à Koumne Église, Yamoudé, Nendengwana, mais bah propos, ils ont été tellement déplacés, discours, toi. Bon, je pense que c'est vrai, Nengé, Batoubako, Kanissa, Nengé, Batoubako, Loba, parce que soit totali certaines réalités il y a makam susu je pense que quelque part les ana batum sus peut-être baza pelezé na message wana mais garde le silence hein? Ils observent ils prient aussi par rapport à la situation il y a message nenge bimi donc je pense que comme homme de Dieu surtout na place oyazaleli je ne pense pas que les ama l'âme hein qu'on se faire tout le temps remarquer que quand ils ont les kamomoko boebimi tout ça à travers un homme d'État à travers puisque même avec Joseph c'était pareil avec Joseph c'était pareil hein? Et comme il a Senko c'était pareil et comme il est Lona pasteur Walesa c'est la même chose je pense que comme homme de Dieu nous devons parfois apprendre à être discret parce que ce que nous devons faire au fait, il faut édifier. Voilà un peu le rôle d'un homme de Dieu. Que nous devons apprendre à faire des choses qui édifient. Parce que tout est bien que Bible et l'obi paient clairement que ce qu'un homme aura semé, il le moissonnera. Donc makamingi o biso tozo sala et sengeli ezala o isope sanzam et gloire. Et non pas kotambo la l'encontre de Dieu. Au côté les mela. Mosai Nanzam et Songolo Pakala ou bien un homme politique. Mais si par exemple il a été établi par Dieu, au moins n'a été qu'au bout de Sanzam. Donc raison pour laquelle je pense qu'il faut quand même un peu de retenue par rapport à ma Kamoumsous. Qu'on se fait remarquer dans le mal, Ezakitogote, parce que Nzambe a zappé capable à Gobeta. Donc raison pour laquelle il y a des choses qu'on ne peut pas faire, il y a des choses qu'on peut faire. Makambo toebi kezo glorifier Nzambete, il faut que tikango na libanda, surtout qu'on se tenir toujours à côté, à l'encontre au fait, il y a certaines situations. Même soit totali, par rapport à Ndengo Lobby, il y a Église de Réveil. Je pense qu'il y a des choses quand même, nous devons aussi apprendre. Naete soeba réunion au pays et salamara toujours. Parce qu'il y a très longtemps, tant Nazaïn à Kinshasa, j'assistais à des réunions. Mais je ne sais pas ce qui dit les lots, bah, réunion et salamara toujours dans le cadre à l'église de réveil par rapport à certaines situations nettes. Oyo, qu'on essaye un peu, qu'on pèse un conseil dans certains points. Ça, je ne sais pas. Mais ce qui est athée, vraiment, nous avons fait recours. Le président, il y a l'église de réveil. Lequel parce qu'il semble qu'il y en a beaucoup. Ce qui n'a pas rafraîchi mémoire, il y a. Avec, il y a Kakenza, le pasteur Kakenza, il y a avec Mukuna, qui se prétend aussi avoir une structure à lui. Il y a l'église de réveil. Il y a aussi Denis Lessi, Abima président. Il y a une partie, finalement. Il y a. C'est que des ordres, quand tu trouves dans le mot, il y a place au ordre, il fallait normalement régner. Tu sais qu'il y a un message et pas un nani exactement. Il y a un message exactement et pas un nani reconnaissant. En tout cas, depuis les temps anciens, Oezali Albert Kakenzi. C'est le seul Ponanga Oyo Nganazo reconnaître comme président des églises de réveil parce que c'est lui qui a été établi depuis le temps. Je pense qu'on a beau sanité, c'était depuis même temps Mobutu. Sans pour autant vous arracher la parole, pasteur, quand vous dites qu'à propos, il y a incompréhension, il y a polémique entre Walesa, le pasteur Walesa, sorry. Na évêque Mukuna, osa ko lancer message pas ya tobeng aloko la na opposant parce que ceux qui évêque a qui soumis la structure y a église de réveil il allait être jusqu'à preuve du contraire
na se ya kokamba ma ya pasteur Albert Kakenza. Mais yo siko problème ezali ko opposé mukuna na wale sa osa s'adresser na Albert Kakenza. Ne pensez-vous pas que zolo ba une chose est son contraire? Je pense que quelque part soit totalement bien tout ça kana moi façon mo ba quoi percevoir certaines choses. Je pense que exemple total kaka net exemple. Je m'excuse un peu cet exemple politique. Je vous en prie. Alors, l'exemple politique sur le terrain à Bambo Kamsous. Malgré qu'il y a des oppositions, il y a tout ça, Nyo Soto et Baka, mais quand il s'agit, il y a qu'on sauve Mboka. Il y a un peu de temps. Peut-être qu'il y a une opinion différente dans ma Kambo et Tali, façon à Bambo Kamba, parti politique à Bambo, mais ils sont unis pour la cause à Mboka. Alors, je pense que même si. L'homme de Dieu Kankenza, Azo Kamba, parti Moussous Église de Réveil, l'évêque Moukouna à côté Naye, n'a pasteur de Nile Sipé Nangambou Naye, mais je pense que pour la cause Yabokonz Nanzambe, il y a lieu quand même que Koyo Kaba conseil Pe Baninga Bazo Pesa. Donc je pense que c'est ça la moindre des choses, c'est ça même l'humilité. Donc je pense que c'est surtout ça. Et pasteur, ça ce ne sont pas mes propos. C'est ce qui sort de la bouche de pasteur Walesa. Et j'avais reconnu en lui sincère humilité, mon kobwe, parce qu'il était devant ses fidèles quand il abandonnait le Marambo au Nyoso. Et avec un langage beaucoup plus contrôlé et qui n'a politesse à l'égard de l'évêque. Mais à l'objet que, et comment qu'il y a un niveau évêque, à comment qu'il coïncité, bah incité qui. Population, quand je parle de la population, je parle des combattants de l'IDPS pour que Bakende, Kobuka, Église, ya Walesa. Et pour votre information, Walesa, l'Église là, a tonga yango na propre mbongonaye. Quand je dis propre mbongonaye, ngolo bate que, a banak l'Église, ma bonza ya bandimi, titinde ton Église, a tonga yango, parce que binzam benda lo bakinaye, a kota na makambouana. Et il y a eu incitation de la part, ya évêque Mukuna, pour que Batouba qui ne rebouka église. Au monité que Koko Matin à niveau a coïncité Batouba rebouka na kuyanzambe. Au monité que N est tellement soit trop batté que trop bas les camouya prophétie ya son excellence Félix Antoine Tshisekedi. Et ça une goutte d'eau qui a débordé la vase. Peut-être il y a déjà un problème Isaki kala entre Mukuna na pasteur Walesa. Bon, peut-être kaga Nengo Lobi. Je pense que Eko cache une certaine vérité, puisque Walesa, je crois, a outi Epa ya Mukuna. Donc, peut-être n'était pas d'accord. Na Dengue, le pasteur Walesa, il fallait abandonner Misala Nzambe selon appel Dengue Nzambe, appelé cela qui est. Mais je pense que Kakande na lobby, na Makambo etali ya Bonzambe. Il faut tous quand même na ba attitude moko o ezali ko afficher pour natina que quand même batu ba ko komona ce que nous sommes, mais inciter juste à ce niveau na batu que ba kende ko détruire l'église, le temple de Dieu. Je pense na revenir na ona lobaki Bible lobi, ce qu'un homme aura semé il le moissonnera, et pas Nzambe. Nzambe tikara jamais impuni. Net bakayaboué. Soki Walesa, le pasteur Walesa, Aza, Nanzela Nzambe, message à Pessi et Outi et Paya Nzambe, laisse-moi dire ceci, que Batunyoso, Oyo ba porte ba men à Bango, l'ikolo ya église, O Nzambe, a Pessaki comme inspiration, na pasteur Walesa, ils ont un sérieux problème avec Dieu. Parce que Bazo Bundisa Moutouté, et bazo bouddhiste en zambe. Ata baza d'accord te. Na oyo pasteur wale salobi. En tout cas, c'est à Dieu d'en juger. Parce que ça même n'a pas sanction en zambe. Ils n'ont pas sanction en zambe par rapport à la fausse prophétie. Moutounio soazo prétend koloba. Donc au prophétiser de la part de Dieu. Et que ça ne vient pas de Dieu. Laissez le soin à Dieu lui-même d'en juger. Mais ils ont batouté ba cause en place en zambe pour n'a qu'au juger. Ma prophétie ou quoi que ce soit.
Alors, neti bango, ba sali oyo, ba moni ba kokaye ko sala, il faut baye ba eloko moko Bible lobi, à moi la vengeance, à moi la rétribution. Donc, so bato ba tanga ka Bible, ils comprendront qu'il y a des choses qu'ils ne peuvent pas faire. Parce que Nzambe, ce qui a tombé le bo connaît, ça a très dangereux. Raison pour laquelle, ce qui réellement, l'évêque Mukuna, aza derrière, makambo oyo, il y a destruction, il y a église, il y a pasteur Walesa. En tout cas, chacun d'une Bible à l'obi a qu'à rendre compte et pas Nzambe. Alors, ce qui peut population, oyo sans réfléchir, lundi makambango, bon, population c'est un peu trop dire, mais je vais plus parler au sujet. Il y a Nenge Elobami, Batoa IDPS, ma membre IDPS, ma Kendaki, pour n'a qu'à détruire l'église Wana. Donc je pense que tous ceux qui ont eu, ne fût-ce qu'une main contre cette église, ce n'est pas contre un homme, mais c'est contre Dieu. Donc raison pour laquelle, avant qu'on salabe action, en tout cas, nous avons interpellé jusqu'aujourd'hui le peuple congolais, que tous aura toujours une manière y a qu'à réfléchir, avoir quoi agir. Parce que action n'y a pas de ça, la conséquence est allée. A ta pasteur ou aller ça, à quoi ça l'année l'autre côté. A ta, à quoi zongi sate, namabe, oyo et salami, mais nous en voisins à l'icolo avant Jacques. Et pasteur, pour chuter, donnez-vous vraiment la chance, il y a Kokuta na toko yokana ya évêque na pasteur Walesa, parce que ko tala élément o bandeko bauti ko tala awa o bauti ko yoka fond sonore ya ba propos ya évêque Mukuna, ils ont talisa que azali na arrogance, azali na komi kitisate po ba propos o azali ko tenir, c'est comme mutu azotalisa que naza mukolo, je ne peux pas aller vers ces petits là. Oazo Bengaye, le jeune frère, dont le jeune frère a kokiko salana facilité, to a kota na moyen ya kokina kokine vers Kulutu aza ko tomboke la même na niveau ya ba télévision, mais kota la manière Kulutu wana za koloba, c'est comme si azo repoussé ye a zali na posa ya ko solola na yete contenu ya beaucoup, parce que ya lobby ba ko fanda, c'est le vec qui parle à lobby ba ko fanda pour na kotia ordre na kati église de réveil. Lequel ordre parle-t-il selon vous, pasteur? Parce que n'ignorant tu l'obat tantôt, il y a oyonga na yebi, sans que je puisse mâcher des mots, il y a trois structures où ils allaient ko gérer église de réveil dont je viens de citer le nom. Il y a Albert Kakenza, il y a Mukuna et il y a Denis Lesi. Ordre barotia na structure où ils sont au Kamba. Pour babenga pasteur Walesa, bon on se dit pasteur Walesa. Lui ne fait pas partie de sa structure et qu'il fait partie de la structure du pasteur Albert Kankenza. Ou soit qu'il y a une structure à pasteur Albert Kankenza, il y a une structure à Denis Lesi. Ou soit qu'il y a une structure mon côté. Il fonctionne n'engé à l'ingi, ce qui nous a mené à ce kambaye. Finalement, ordre à qu'une côté n'est pas un ami. D'abord, Bible et lobby, on reconnaît un arbre par ses fruits. Alors, toko y nabiso, ma structure est cause à Namoué Bélé. Mais où est Nzambe et Banaka? D'abord, Mokambi, Ndenge Bible lobi, il faut un modèle. C'est ce que dit la Bible. Et où tu n'es pas Nangate, mais où tu n'es pas Nzambe. Mokambi, il faut un modèle. Mokambi Nyoso, où Nzambe établir, surtout dans l'Italie, Makamwa Nzambe, il faut un modèle. A ce qui Mokambi a un modèle, alors, et qu'on allait un peu. Difficile de croire na œuvre nae na œuvre azali ko sal. Donc je pense que quelque part Mokambinyoso il faut azala modèle na miswa batu. Alors kozala ba structure mi balé misa tout au le kawana ezo dépendre ndenge mutu moko azela ki vision nae pona ko sal le yango tout ça, mais o ya Nzambe na repé sa même exemple, hein? Exemple mon biblique. Ezali na Moïse akutanaki na Pharaon. Moïse abimisaki nyoka naye et puis ba nyoka mibale ebimaki na nzela ya ba Égyptien. Mais nyoka oya Moïse amelaki ba nyoka mibale o mususu. Donc c'est pour dire que oya Nzambe etikalaka ya Nzambe. Oya Nzambe pe e monisamaka.
Donc, au moins, à partir, d'abord, il y a un comportement, il y a un cambi, tout ça. Il y a un goût qui est accusé réellement que le loco est un zambé, tout est un zambété. Donc, ils ont fait partie. Et puis, on reconnaît un vrai homme de Dieu par l'humilité. Donc, ce sont des critères, en tout cas, bibliques. Baeba, en tout cas, Mosai na zambé, na zela ya humilité. Et la Bible dit que l'humilité précède la gloire. Même au kondiye mokotango anyataka mabele oyo azaki efase na miso ya bato. Même pona ba kanga il fallait pourtant atambola tambola mingi na banzela zokota ba temple zokota na na synagogue tout ça, mais pona okanga c'était difficile ya ko identifier kati na ba disciples na ye azaki confondu. Alors je pense quelque part dans tango tobengami déjà ba kambia structure telle ou telle, nous devons toujours apprendre à être ba modèle na miswa batou na miswa bato tozo kamba tout ça. Donc vraiment nous devons faire cet effort là parce que yango ne muteko définir au fait ce que nous sommes, ce qui toza et nzambe ou on l'est pas. Donc question kaka biso moko toeba le lengue o tozo se comporter face à bat, parce que tozo défendre kaka ba structure na biso te, tozo défendre kaka te de l'église na biso, mais tozo défendre pe kombo a Yesu, parce que ezande kombo a Yesu za engagé pour te tante te aka ezana kombo moto tango za Yesu eza kombo moto luka ko tombola ezana ba église to ba nini ba côté nyo sto kendaka eza kombo a Yesu. Donc je pense que eloko ali boso to sala ga se défendre d'abord le nom de Jésus. Alors si nous devons défendre kombo o ya Yesu et sengeli po na biso to défendre nango pe na batitude ba comportement na makam nyos kaka tela ba message, mais aussi na ba comportement na biso o il faut et décrire ta la même Pierre lorsqu'on a arrêté Jésus, on a reconnu Jésus même na habillement pe na makam webele. Donc il faut que ba reconnaître biso réellement que nous sommes des disciples de Jésus. Donc je pense que c'est ça qui est d'abord très important, quel que soit makam toto ça là, il faut tout refléter d'abord que nous sommes disciples de Jésus. Et pasteur, merci. Et votre dernier mot pour l'élément d'aujourd'hui, si bien que vous êtes un de nos consultants permanents, votre dernier mot pour l'élément d'aujourd'hui. Bon, conseil qu'on a coupé ça, en tout cas, par rapport à ma camionneuse, le canaba, débat entre l'évêque Mukuna na pasteur Walesa, toza ba nanzambe en tout cas, c'est ça le conseil que moi je peux apporter. Toza ba nanzambe en tout cas nena loba ki ne bandeli que to lukaka te ko bimisaka makamo mususu na ba media. Quand il y a un problème, il faut te ba ko se consulter les uns les autres pe et loko ko sa la fondement pe base ya biso ba sal nanzambe pe ba nanzambe. C'est d'abord l'humilité. Donc, tant qu'on surprendre mon ingana likamoko et ses pélissotés, tout le cas toujours kokutana. Je pense que c'est ça qui est le plus important. Bisonio sotoza, touta quelque part. Merci, pasteur. Voilà, chers fidèles abonnés à Coup de Projecteur, je salue Madame Francine Gembe de la Belgique, je salue Maître Freddy Biangang depuis France, je salue Maître Guinée Kibwanda, le PDG de la Maison La Grâce. Je salue mon ami personnel Arnaud Dumbuang, je salue toute la famille, mes enfants, dont la famille Mboli. Et je salue tous ceux qui me reconnaîtront à travers cette émission. Et vous avez suivi le propos de pasteur Onésime et vous avez suivi aussi le son de ce qu'a été un peu ce qu'on appelle, ce qu'on peut dire l'incompréhension, le bras de fer entre l'évêque Mukuna et le pasteur Walesa. Alors nous, on n'a pas trop de commentaires à faire, on a fait seulement des analyses. Et je demanderai à vous qui êtes mes fidèles abonnés et à Coup de Projecteur, votre émission préférée, likez, commentez, surtout abonnez-vous. S'il y a des commentaires, des suggestions à faire, on est là, on est ouvert pour vous. Et comme j'ai toujours eu à vous le dire que il n'y a pas un travail parfait sur cette terre. Alors, si vous avez trouvé un peu de remarques, de suggestions et remarques, on est ouvert à toutes vos suggestions et remarques, car on est là pour vous. Merci et à la prochaine pour notre prochain numéro. Bye bye. Merci.